Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Jamod et bienvenue, chers amis, dans le 22e épisode de Space Engineer, il me semble. Donc, aujourd'hui, chers amis, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, vous aurez remarqué que je ne suis pas avec Pietro, étant donné que Pietro ne peut pas venir, je suis dimanche. Hein. Donc voilà, on est dimanche, et donc, de ce fait, Pietro ne peut pas venir. Donc voilà, alors, j'ai automatisé un peu les portes, comme il l'a dit, j'ai aussi réduit la taille du sas. Parce que comme vous vous en rappelez la dernière fois, à chaque fois que j'ouvrais une porte ou que j'ouvrais l'autre, ça faisait des changements de pression, on peut dire ça comme ça. Et donc le jetpack s'allumait tout le temps, ce qui me cassait sensiblement les couilles. Donc voilà, là on se met au milieu, hop, on revient là, et ça passe très bien. Alors, quelques petites choses qu'on m'a dit en commentaire et que je vais vous dire tout de suite. Alors, il y a Chapcraft, déjà qui m'a dit « Je comprends pas pourquoi tu t'obstines ». À laisser le connecteur pardon, sous ta base, alors que tu pourrais le mettre à l'extérieur, ce serait beaucoup plus simple pour charger. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je lui ai dit que c'était du pur esprit de contradiction. Cela dit, c'est vrai que je suis con, je n'ai pas forcément pensé à le changer. Alors, autre petite chose que j'ai fait en off. Hop, vous pouvez voir qu'ici, mon vaisseau constructeur, je l'ai sensiblement amélioré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, tout simplement... un convoyeur d'extraction, en fait, quand je vais me connecter à la base, ça va me drainer toutes les ressources dans tous les coffres, dans toutes les soudeuses, etc., etc. Ça va se faire tout seul, j'aurai plus besoin de bidouiller quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est très bien. Alors, autre petite chose qu'on m'a dit également en commentaire, mettre un socle loin donc, de la base. Donc bien sûr, il faudra toujours que ce soit relié. Hein. C'est pour ça que le projecteur, je pense le mettre là-bas. Comme ça, ma base devrait être par là, je pense. Dans la logique, ça devrait être à peu près ça. Et donc, ce sera beaucoup plus simple pour construire. C'est vrai que c'est pas totalement faux. Donc, je vais le faire également. Et donc, la troisième chose qu'on m'a dit, c'est « Ouais, le dédale, il est en orbite, c'est un peu con, tu pourrais le faire atterrir. » C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va faire ça dans cet épisode. Alors, tout d'abord, je vais modifier un peu mon truc. Oh, putain de merde. Voilà, merci. Ok, toc, toc, toc. Alors... dans la prod... Oh, mais attends, j'ai déjà plein de trucs, ici. Eh, tu sais quoi, YOLO? Avec tout ça, je suis certain que j'aurais pas assez, mais... Alors, on va voir, on va voir. Taille, 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 pour avoir des convoyeurs, qu'est-ce qu'il faut? 40, 12, 6... Et dans l'inventaire, j'en ai combien? 40 tubes d'acier, c'est les tubes d'acier, en fait, que j'ai pas assez. Et donc, 6... Donc, oh, les plaques d'acier, ça, c'est largement bon. Petit tube d'acier et donc les 6 moteurs. 6 moteurs, j'aurais peut-être acier. C'est en fait, c'est les tubes d'acier que j'ai pas. C'est les tubes d'acier que j'ai pas, donc je vais m'en faire quelques-uns. Taille, taille, taille. On va s'en faire une trentaine. Allons-y gaiement. On va s'en faire allez, une centaine. Parce que je suis pour l'abri d'un feuille, là, vous me connaissez depuis le temps. Hop, voilà, viens par là, toi. Alors, ah oui, alors attendez, parce que vous vous rappelez que lors du précédent épisode, j'avais tout produit et tout était allé se fourrer dans le connecteur qui était en bas. Donc, on va d'abord charger mon vaisseau constructeur. Hop. Hop. Allons-y, YOLO. Donc là, ça devrait être assez simple à faire dans la logique. Oula, oula, doucement, on se calme. Alors, Pietro n'est pas là durant... C'était... Oh, putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien cassé? Ah non, j'ai rien cassé. Ok, chers amis, j'ai fait le con. J'ai fait le con, même gravement. Merde. T'es sûr, j'ai rien cassé, tout va bien? A priori, oui, il y a juste le... Il y a juste le train d'atterrissage qui a souffert. Mais tant mieux que ça m'emmerde sensiblement, le train d'atterrissage, je vais le remettre quand même. Donc voilà, j'aurais fait un trou. J'aurais fait un trou, c'est toutes mes excuses. Alors... alors moi, j'attends avec impatience la mise à jour où ils mettront qu'on pourra rechercher ce qu'on veut dans les connecteurs. Ça, c'est indéniable. Je souhaite qu'ils le fassent. Parce que c'est chiant hein, de tout le temps rechercher à l'aveuglette. Moi je dis, ce serait beaucoup plus simple. Pas bon, après c'est mon avis. Hop, et ça n'engage que moi. Ok, c'est réparé, tout va bien. J'aurais pas fait trop de conneries. Enfin, tout du moins cette fois-ci. Alors.
Hop, là, ça devrait pas être long dans la logique. Je suis dedans là ou pas? Oh non, pas du tout. Même carrément pas. Ah! Oui, c'est vrai que Chopcraft a raison, ce serait beaucoup plus simple de faire ça. Voilà quoi. Donc voilà. Donc là, si je le souhaite, je peux éteindre les propulseurs. Mais je le ferai pas. Alors, donc là, si jamais je regarde et que je masque les inventaires vides, vous allez voir que tout est venu dans mon récupérateur d'assembleur, où il y avait déjà des trucs dedans. Et donc voilà, tout est venu dans mon récupérateur d'assembleur, donc dans mon coffre. Et donc voilà, ça s'est fait tout seul parce que vous voyez que là, hop, le convoyeur d'extraction en blanc, vous voyez que drainer tout. Et donc, il y a tous les composants. Même les trucs qui ne sont pas notés comme des composants. J'ai tout foutu, comme ça je suis pas emmerdé. Et donc de ce fait, il me suffit simplement. Hop. Et yolo. Yolo, yolo, fais pas le con, Willy, t'as déjà fait une connerie aujourd'hui. On va éviter d'en faire plus. Donc ça, c'est bon. Alors. Bon, on va le laisser là. Donc le vaisseau à piétrole, je le laisse. Hein. C'est prévu qu'il revienne, donc pour ça je m'en fais pas. Hop. Alors, pour ce qui est du connecteur. Donc on va le mettre d'un côté ou de l'autre. Limite, j'ai envie de dire, je m'en fous. Hein, soyons sincères. Donc, hop. Donc là, normalement, il n'y a plus rien là-dedans. Mais je regarde, ouais, c'est bon. Ce serait le coup que je le démontre et puis qu'en fait il y a encore plein de trucs dedans. Ce serait un peu idiot, on va dire. Ok, donc. Tu vas peut-être te remettre droit. Taille, 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 taille. Donc, les connecteurs. Quel con pour les connecteurs, les convoyeurs, je suis débile. Donc, tube de convoyeur. Hop. On va mettre ça ici, peu importe. Hein. Voilà. Et donc. Ouais, on va mettre ça un peu plus loin tout de même. Parce que je sens bien venir à la connerie. Avec le connecteur qui va bien. Hop. Le connecteur qui lui devrait être comme ceci. Et on va le mettre comme ça. Voilà, donc ça dans la logique, c'est bon. Allez, on construit tout ça. Voilà. Ça se construit vite, c'est bien. Parfait. Tout est fait, tout est bon, tout est bien. Taille, taille, taille. Donc, connecteur 3, ça je m'en fous. Hop, ça va là. Donc, tout connecté off, bien évidemment. Donc voilà, dans la logique, ça devrait être nettement plus simple pour moi de charger pour le coup. Donc ça, c'est fait, je peux le rayer de ma liste. Alors, ensuite. Ensuite, donc disais-je. Hop, toi tu viens là. Alors, on va essayer de modifier tout ça pour que ma base soit dans ce secteur-là, de façon à ce que je puisse plus simplement la construire. J'espère que j'ai assez de place sur moi. A priori, oui. Allez, go, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous entendez, il y a un voisin qui s'amuse à taper. Je sais pas ce que ça donnerait, mais je lui tapais sur la gueule. Hein? Bref, de toute façon. Ah non! Putain, bon, il dit. Ok, ça c'est cool. Pouf. Parfait. Alors donc, le projo. Hop. Alors, donc du coup, on va essayer de faire en sorte que ça soit par là. Voilà, parfait. Alors, en espérant que ça fonctionne, hein, ça c'est indéniable. J'ai aucun moyen de savoir si jamais ça va marcher ou pas. Mais bon, étant donné que j'ai construit le machin jusque-là, ça aurait été idiot de pas en profiter. Donc, on va voir ça. Ne bougez pas. Hop. Alors. Je vais me mettre là, comme ça, si je mets la base, apparaît, je la verrai. Enfin, peut-être. Ta 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 ta. Projecteur, plan. Donc, tu me mets le dôme, t'es gentil, tu fais pas chier. Ok. Est-ce que mon dôme est là? Oh putain, mon dôme est là. Parfait. Magnifique, vous savez quoi?
Maintenant. Non, mais elle laisse ouvert, saloperie. Maintenant, je vais essayer de le rapprocher. Alors. Voyons voir. Donc, horizontal. Ça, c'est les cartes. Ça, en revanche, ça le rapproche un peu. On va essayer de mettre ça à peu près en face tout de même. Compensation avant. Ah oui, d'accord, mais c'est carrément derrière. Oh la vache, sans déconner, mais c'est pas possible. Mais c'est une putain de blague. Pff, attendez, attendez. C'est à combien de milliards de bornes encore? C'est pas vrai, ça. Eh, si jamais c'est une blague, je vous jure qu'elle est pas drôle. Non, mais ça commence à me. Hein. Attends, je suis à combien de kilomètres là? Bon, je suis beaucoup moins loin, mais quand même. Qu'est-ce que tu veux que j'aille m'installer dans ce trou perdu sans deck? Je suis à quelque chose comme 500 mètres. Faut être sérieux. Alors, je vais te faire ça autrement, moi, ça va pas traîner. Ok, donc. Ah! Oh putain, la vache, j'ai aussi échappé. J'ai à chaque fois peur de me prendre le machin dans la gueule. Donc, on va voir ce que ça donne si jamais. Je pense que là, ça devrait être un peu mieux. Donc maintenant, je pense que ça peut dégager. Voilà. Alors donc, on va voir ce que ça donne. Alors, on construira peut-être pas ma base dans cet épisode. Cela dit, j'ai tout de même envie de faire atterrir le dédale parce que là-haut, je sais pas ce qu'il fait, le petit dédale. Et si jamais il vient à manquer de glace, d'énergie ou de quoi que ce soit, je préfère l'avoir apporté au lieu de m'en rendre compte si jamais je remonte à bord un jour. Hop. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis fou, ma parole. En fait, je deviens barge, c'est ça. Voilà. Faire comme je faisais au départ. Pof. Alors. Donc, plan. Tu mets mon dôme, merci. Voilà, on se dépêche. Merci. Alors. Oh. Oh, putain. Ok. J'ai à peu près bien calculé mon coup. J'ai plutôt bien calculé mon coup, je suis content. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Alors, taille, taille, taille. Contrôle V, pouf. Alors, compensation horizontale, on va faire en sorte qu'il se casse un peu. Voilà, parfait. Vertical, comme ça. On va faire en sorte de le laisser devant quand même. Hein. On va le descendre un peu, histoire d'être à peu près à ma hauteur. Ok, comme ça devrait être pas mal, je pense. Ça devrait être même pas mal du tout. Ma base, je vais la laisser dans ce coin-là. Vous savez quoi? C'est un très beau coin. Oui. Là, jusqu'ici, ça me paraît extrêmement bien. Donc ça, c'est cool. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller récupérer le dédale. Mais avant même d'aller récupérer le dédale, il faut que je fasse un truc. Hop. T'es gentil, tu me mets ça droit, merci. On va faire une espèce de piste d'atterrissage. Alors ça va être un truc sommaire, hein, je vais pas vous mentir, ça va pas être extrêmement gracieux, mais bon. Faut essayer de faire un truc à peu près bien quand même, pas déconner. J'espère que là je suis assez éloigné parce que c'est quand même une bête imposante le dédale. Tac. Voilà, donc je vais lui installer des trains d'atterrissage. Je sais pas si jamais ça va se voir. Je peux tout dire, je n'ai pas réfléchi. Enfin, pas jusque-là. Hop. Et donc, on m'avait dit qu'avec. Admettons, je me choisis une autre couleur, genre le rouge. Tu vois, j'ai moyen de. Voilà, j'ai moyen de faire en sorte que ce soit plus ou moins clair. Et donc, si jamais je raconte pas de conneries.
Non, ça par contre ça ne fonctionne pas. Je pensais pouvoir peindre le bloc, mais a priori non, bon c'est pas très grave. Ce n'est pas grave du tout, rassurez-vous. Alors, toc, donc on va se prendre ça, ça, et ça. Oui, je vais essayer de faire un truc classe quand même, hein, faut pas déconner. Ah bah tiens, bah du coup c'est en rouge. Bah, vous savez quoi? Parfait. Là, ça paye pas de mine. Vous allez voir, ça va être un peu classe, légèrement, sensiblement, on va dire. Hop. À chaque fois, je me cours de tout. Décidément, j'y arriverai jamais. Donc, toc, on va mettre ça comme ceci, voilà. Pouf. Histoire que j'en mette tout de même plein la vue à Pietro quand il reviendra, hein. Qui voit à quel point je me suis cassé le cul à construire cette espèce de dédale à la con. Oui, tout à fait, je pense à ce que je dis. Taille, taille, taille. Oh, mais qu'est-ce que. Mais non, enfin. Mais je j'ai dit non. Voilà, enfin, c'est quoi ça? Toc. Je serais gentil de te mettre comme ça, merci. Alors, voyons voir. Voilà, parfait. Bon, je suis bien moi, sur la lune. Moi, je m'éclate. Hein. On dirait pas comme ça, mais moi, je vous jure. Hein. Pouf. C'est vrai, du coup, c'est rouge. C'est bien, bien rouge. Ah, putain. Ça, c'est bon. Il manque juste ça ici. Parfait. Parfait, magnifique. Et donc, au centre, nous allons donc mettre un cube, mais qui sera vert. Voilà, pour dire que c'est là qu'il faut atterrir. Oui, je sais, ça peut vous paraître ridicule, ça me paraît aussi ridicule à moi, mais bon, si jamais on s'amuse pour un peu. On n'ira nulle part. Ok, ça c'est cool. Donc voici mon point où mon dédale atterrira. Donc c'est parfait. Donc je vais voir si jamais j'ai assez sur moi pour faire 3 ou 4 trains d'atterrissage. Putain, mais c'est pas vrai ça! Bordel de Dieu! Alors, je sais pas pourquoi j'ai des micro-lags là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je regarde, il n'y a pas les trucs qui sont lancés. Bon, non, rien n'est lancé. Qu'est-ce que, what? Tu te fermes, j'ai dit, saloperie, voilà. Rien d'autre qui est lancé dans le secteur. Ah, voilà, j'ai trouvé ce qui faisait interférence. Ok, dans la logique, ça devrait plus poser de problème. Hop, c'est reparti. Taille, taille, taille. Alors, dans la prod. Train d'atterrissage, train d'atterrissage, train d'atterrissage. Taille, taille, taille. Alors, qu'est-ce qu'il faut? 150 plaques d'acier, 10, 4, 6. Compagnation, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Bon, ça va se construire, ça va se construire. Il faut 6 moteurs. 10 composants de construction. Et donc 4 gros machins. Ouais, j'ai assez. J'ai assez pour m'en faire des milliards de millions. Ok, c'est parfait. On va sur le dédale. Voilà, bon. Maintenant, il y a des micro-aérations, je sais pas trop ce qui se passe. Oh, je m'en tape. Hop. Yolo. Ok. Bon, on y va. En espérant, et attention, j'ai bien dit en espérant, que le dédale ne s'écrase pas sur la Lune. Parce que je ne sais pas s'il peut résister à la gravité. Je dois bien vous avouer que j'ai fait un ou deux tests sur un monde que j'ai en créa, donc où j'ai copié carrément cette sauvegarde. Les tests n'ont pas été ultra probants. Alors j'ai peut-être trouvé une solution, je lui ai rajouté des propulseurs, je vais vous le montrer, vous allez voir. Cela dit, j'ai jamais testé avec les propulseurs. Donc j'espère que ça fonctionne. Tu vas un peu vite là quand même, non? Non, c'est quand tu veux que tu t'arrêtes, hein. Non, parce que je veux bien être gentil, mais à un moment, il faut que tu t'arrêtes quand même. Mais stop-toi, enfin!
Oh, on est poilé. T'as 1 km pour décélérer, quoi, mais sérieux. On y va doucement. On y va doucement. Pas ta pute, petit vaisseau, pas ta pute, fais pas le con. Hop, donc ça c'est bon. Ok, tout se passe bien. Ou presque. Voilà, donc, du coup on va aller dans ce hangar là, hein, vu qu'apparemment mon petit vaisseau a décidé d'aller dans ce hangar là. Donc on va lui obéir, hein, que voulez-vous que je vous dise? Moi, voilà quoi. Des moments où on choisit pas, je choisis pas. Hein. Hop. On peut rentrer comme ça? Oui, on peut rentrer comme ça, c'est parfait. Alors, il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé, je sais plus si c'était en commentaire ou si jamais c'était en message privé. Oui, est-ce que tu pourrais faire un F302? Alors, oui, je le ferai, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Cela dit, ça va pas. Oula. Ça va pas forcément être pour tout de suite. C'est aussi pour ça que je le ramène sur la planète, hein. Ce sera beaucoup plus simple de. De comment dire. Et bah de faire ce que je veux dans le Dédale sans forcément devoir remonter tout le temps en orbite. Soyons sérieux. Alors, pour ce qui est des trains d'atterrissage. Et puis aussi. Oula, oui, mais non. Non, 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 je veux bien être gentil, mais faut pas déconner, comme tu vas pas mettre ça en vert, soyons sérieux. Tu mets ça en gris. Hop, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que là, vous voyez, hein, je vous ai dit que ces tourelles-là, j'allais les remplacer. Je vais pas tout le temps remonter en orbite pour le faire. Non, 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 il y a un moment où il faut peut-être arrêter de se foutre de moi. Alors, pour ce qui est de ceci. D'accord, comme ça passe pas a priori. Je sais pas trop pourquoi, mais mettons. Non, en revanche, ça a l'air d'un peu mieux passer. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Ok, les deux trucs sont construits. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va essayer de mettre les quatre, disons, au même niveau. Hein. Donc là, ça s'arrête là parce qu'après ça remonte. Ça remonte, il y a un endroit où ça se. Ah oui, tiens là. Là, 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 ça passerait même quasi inaperçu. Enfin, quasi inaperçu, non, pas vraiment, mais. Ici, ça peut être une bonne. Ça peut être un bon emplacement. Hop. Ok, et on va mettre l'autre de l'autre côté. Ça devrait être pas trop mal, je pense. Ça va. Hop. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque rien. C'est magnifique. Donc les trains d'atterrissage sont parés. Et attention, là, grosse opération. Grosse opération. Je suis pas à l'abri de faire plusieurs sauvegardes en descente. Donc vous étonnez pas, hein. Parce que je suis pas vraiment certain de ce qui va se passer. Je sais pas si je vais avoir assez de glace pour descendre en orbite ou ce genre de truc. Donc bon, on va essayer de mettre le maximum de chance de notre côté tout de même. Donc ça c'est bon. Niveau réservoir à hydrogène. C'est fou. Ah non, réservoir d'oxygène, ils sont pas full, cela dit. C'est extrêmement grave, 99,99. Bon voilà quoi. La puissance 3,3 MW. Ok, parfait. Alors oui, je vous avais dit que j'avais rajouté des propulseurs. Vous allez me dire où ça? Où ça? Et ben il s'avère que quand je l'ai construit, à un moment je suis venu dedans et donc tout ça là c'était construit, mais il manquait un bloc ici et donc en fait j'ai vu que de l'autre côté là il y a un creux. Je vais vous montrer. J'ai moyen de. Oui. Hop, voilà. J'ai vu que là il y avait un creux et donc voilà là il y a des propulseurs, il y a des convoyeurs et tout. Et donc voilà, moi j'ai rajouté, alors oui, ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, j'ai rajouté tous les petits propulseurs. Tous les petits propulseurs que vous voyez là. Alors pourquoi j'en ai pas rajouté les gros? Parce qu'il aurait fallu que j'enlève une couche, hein, une couche de. Bah, une couche de bloc, hein. Et donc ça mène directement à l'espace. Ce qui fait que ça m'aura fait un énorme trou sous le vaisseau, ça aura pas été classe. Donc voilà, on va laisser ça comme ça, et j'espère que les petits propulseurs feront leur boulot. Comme je vous ai dit, j'ai jamais essayé, hein, donc si jamais je me croche, je m'en voulais pas. Ça risque d'être drôle, cela dit.
Ok. Alors, on va se reprendre les blocs. Non, non, tu me les mets de la même couleur que le vaisseau, merci. Hop, hop. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Ok, c'est bon. Personne n'a rien vu. J'ai rien abîmé, tout va bien. Allez, go. Voyons voir ce qui se passe. Ah oui, attendez, je voulais faire un truc aussi. Histoire d'éviter de revenir ici à chaque fois. Tu serais gentil d'arrêter de laguer, toi, merci. Voilà, on va copier. Donc, hydrogène. Voilà, comme ça, je saurai la quantité d'hydrogène que j'ai sans forcément devoir revenir ici. Ça devrait plutôt pas mal m'aider, je pense. Boing, boing, boing. Voilà, on va modifier ça. Donc, grand conteneur 1, ok. Grand conteneur 2, écho, écho, écho. Donc, oxygène, oxygène, tank. Voilà. Alors, on va mettre ça ici. Avec un point virgule. Voilà, et donc là, écho, inventory, plus ice, ok. Je devrais se mettre à jour dans la logique. Attention! Bah alors. Là, je commence à avoir mal au doigt, la dépêche. Voilà, hydrogène réservoir, parfait. Donc glace, toujours 1 million 1, ça n'a pas changé, de moins il me semble. Donc voilà, j'ai toujours des saloperies dans ce conteneur-là. D'ailleurs, je peux très bien rajouter ça. Voilà. Comme ça évitera de m'encombrer l'inventaire pour que dalle. Donc ça, c'est bon. Hop. Les propulseurs à hydrogène ne sont pas allumés. On va les allumer de suite. Une petite sauvegarde pour la forme. Voilà. Et donc, nous descendons sur la planète. Enfin, sur la planète, sur la Lune, quoi. Hop, c'est parti. Je stresse, là, je stresse. Je sais, là, vous le voyez pas. Mais je stresse d'une puissance infinie. D'ailleurs, j'ai envie de faire un truc. C'est bon, je ralentis, tout va bien. Voilà, j'enlève le casque. Comme ça, mon oxygène ne sera pas prélevé impunément dans ma combinaison. D'ailleurs, je suis pas dans. Là, c'est déjà mieux. Hop. C'est bon, tous les propulseurs tiennent. Ok. Ah, on le voit, mon petit dôme, depuis l'espace. Hein. Ah, on le dirait pas, mais on le voit. Hein. On va se tourner. Sachant que là, je sais pas du tout où est-ce que j'ai prévu d'atterrir. Donc, bon. Ça risque d'être drôle. Ok, donc, on va pas aller trop vite. On va pas aller trop vite. On va arrêter les conneries. Pour le début, on va s'arrêter tous les 20 mètres secondes. Et donc, on va ralentir. Hein. Niveau glace, comment je m'en sors? Toujours 1 million 1. Les lingots n'ont pas changé. Les engins réservoirs sont 99,88%. Je suppose que ça va baisser par la suite. Nom de Dieu, mais c'est moi, j'ai vraiment l'impression de ne pas être droit. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux là. Putain. J'ai l'impression d'être bourré. Ok, on descend. On est à 2,5 km de la surface. Jusqu'ici, tout se passe bien. Alors, je pense qu'on peut aller jusqu'à 30 mètres secondes. Hein, ça devrait pas. Pour les débuts, hein, ça devrait aller, je pense. Pour la suite, par contre, je garantis pas. Jusqu'ici, je ralentis plutôt bien. Donc, tout va bien. Ok. Et donc là, jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Je suis à 1 km de l'orbite lunaire, à peu près. Tout va bien jusqu'ici. Espérer, parce que le machin fait quand même 12 000 tonnes, hein, je veux pas dire, mais c'est un gros bébé quand même. Mais jusqu'ici, ça va, je freine plutôt bien. Ah, tiens, là, vous voyez la flamme des petits propulseurs en dessous. Enfin, c'est très léger, je le dis. Jusqu'ici, ça va, je freine plutôt bien. Je suis à 1,8 km de ma base. On voit d'ailleurs le petit point rouge.
serait peut-être pas trop mal, là. Okay. Donc là, je suis à 0,13G, ce qui est pas trop mal déjà. Le dédale a l'air de se maintenir. Enfin, tout du moins à peu près, j'entends. Je suis à 1 km 150 du sol. Tout se passe bien. Je reste statique, donc je sauvegarde. Ok. Hop, on va éviter de faire le con quand même. Au niveau de là, toujours 1 001 000, d'accord, ça change pas. 98,64%, ça va, ça tient plutôt bien. Jusqu'ici, pas trop de problèmes. Je reste constant, parfait. C'est mon micro. Oui, lors du précédent épisode, vous avez vu un peu que j'avais un son de merde. Pourquoi? Parce que mon micro était relevé. Bah oui, j'ai pas pensé à le baisser. Ok, c'est pour ça en fait que vous avez eu un son à chier. Ok, donc là jusqu'ici tout se passe bien. Je suis à 0,17G. Ça se passe plutôt bien, a priori. Alors là je sens déjà que ça met un peu plus de temps à ralentir. Hop, on va commencer à aller se mettre en position là-bas. Doucement, doucement. Jusqu'ici ça va. Ok. Je devrais pas être trop mal là. C'est bon? Tu restes statique? Tu restes statique, c'est parfait. Donc là, je vais m'arrêter tous les 10 mètres secondes. Je sais, ça prend du temps, mais un gros bordel comme ça, c'est pas fait pour être traité à la légère. Hein. Pas déconner, c'est assez lourd quand même, quoi qu'on en dise. Hop. Niveau glace, toujours 1 tonne 1, c'est bien. Uranium 2,3, enfin 2300, 2300 tonnes, donc ça c'est bon. Réserve d'hydrogène 91,64%, ça va, ça gère. Ça gère, ça gère. Juste, je vais me mettre voilà, comme ça c'est mieux. Hop, je suis à 600 mètres du sol. Oh putain, je sens que ça a du mal quand même. Il me maintient, mais j'ai l'impression que c'est supra-limite, quoi. Ouais, c'est ultra-limite. Là, je suis à 0,22G. Et je sens déjà que c'est limite. J'espère qu'à 0,25G, donc qui est la gravité lunaire, hein, j'espère que ça va le faire. Hop. Oh, la ruine sauvegarde, moi. Jusqu'ici, j'ai pas fait de conneries, alors autant sauvegarder. Ok, donc ça va. Je suis à 500 mètres de ma base lunaire. Tout se passe bien jusqu'ici. Doucement, doucement. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Si, ça va. Ça va, les propulseurs ont l'air de faire leur taf. Ils ont l'air de me freiner. C'est très léger. Ils ont beaucoup de mal à me freiner, mais ils me freinent. Ils me freinent. Je suis certain que je vais remonter. Putain, ouais, j'ai du mal quand même. Ça se fait, hein, mais j'ai du mal. Voilà. 6 mètres secondes. J'en suis où là? D'accord. Je suis pas vraiment devant, on va être sincère. Ici, tout se passe bien, a priori. Ok. Oh putain. Oh putain. Va falloir que je sois très très lent.
Si bien pour décoller, ça va être une torture, mais c'est pas possible. Une torture dans le fait où ça va prendre du temps, hein. Pas dans le fait où il faut juste appuyer sur un bouton pour que ça décolle, ça va, c'est pas la mort. Hein. Je devrais pouvoir m'en sortir, je pense. Ok, jusqu'ici tout se passe bien. Alors, on va essayer de se maintenir à 2 mètres par seconde pour descendre. Parce que à chaque fois que j'appuie un temps de soit peu sur le bouton, j'arrive à 3 mètres seconde. Je suis à 5 mètres seconde, on se calme, on se calme. Je suis à 80 mètres du sol. 80 mètres du sol, jusqu'ici ça va. On va essayer de se mettre au-dessus de mon espèce de train d'atterrissage. J'en suis au niveau de la glace. Ah, j'en suis passé à 1000 tonnes. D'accord. 82%, ça va encore, ça va, ça gère. Les lingots, ils ont pas bougé, c'est très bien. Par contre, il n'a pas trop de problème pour avancer, ça va encore. Parce que pour avancer, il est propulsé par les propulseurs à hydrogène. Hein. Je sais pas si je vous l'avais montré. D'ailleurs, on l'a jamais vraiment vu. Hein. On l'a jamais vraiment vu de derrière, comment c'était, si jamais c'était bien ou pas. Ça pourrait être. Je vais faire ça, si on sait quoi. Juste après, je vais faire ça. Donc moi, jusqu'ici, tout se passe bien. Doucement, doucement, fais pas le con. Fais pas le con, tu ne t'écrases pas. J'ai pas prévu de pièces de rechange, donc tu fais pas le con, Philippe. Jusqu'ici, ça va. Oula, 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 oula. Remonte! 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 Ça va. Oh putain de merde. Faut pas faire peur comme ça aux gens. Ça devrait pas être permis, vous m'entendez? Je suis même certain que c'est interdit. Ok. Ça, c'est bon. Je suis droit là? Ouais, à peu près, j'ai l'impression. Comme ça se sent un peu mieux. Hop. Je suis réellement au-dessus là, t'es sérieux? Putain, on dirait pas. Hein. Et ça va, ça va, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Ça va, ça se passe, ça se passe. D'ailleurs, il va falloir que je modifie les paramètres de tous mes capteurs. Parce que j'avais paramétré les capteurs uniquement pour moi, mais si j'ai un piétro, il vient, il faudra peut-être qu'il puisse y accéder lui aussi au dédain. Tu veux bien arrêter de. Non, mais sans déconner, c'est une blague. Ouais, d'accord. Ok, tu le dis si tu veux pas que je mette la caméra devant. Hein. C'est toi qui vois, ma poule. Tout va bien, j'explose rien derrière. Je suis pas forcément gaffe, mais. Non, a priori ça va. Ça va, rien ne touche la planète jusqu'ici. Je m'apprête à verrouiller. Ah, parfait. Tout est éteint. Tout est éteint. Enfin, tout est éteint. J'entends les propulseurs sont éteints. Donc là, ça va, 76%, 77, ça remonte, ça remonte. Je suis descendu en enfin je suis descendu sur la Lune. Je suis très content, je suis très content que les propulseurs fassent leur taf. Mais putain, ça met un petit temps pour me freiner, c'est impressionnant. J'ai bien cru que j'allais m'écraser tout à l'heure quand j'ai gueulé. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser si jamais vous avez maintenant mal aux oreilles. Mal aux oreilles, pardon. C'est totalement de ma faute. Ah, ah oui, c'est vrai que j'ai pas mon casque. Alors, je suis plutôt content là. Plutôt content que ça se soit pas, que je ne sois pas lamentablement écrasé, à vrai dire. Jusqu'ici tout va bien, donc là c'est bon, c'est verrouillé, donc pour moi c'est parfait.
Les deux autres là-bas ne touchent pas, mais ne vous inquiétez pas, on va relier tout ça après. Ok, alors voyons voir comment il est de derrière. Mais moi je dis, il est classe, hein. Mais vraiment, j'entends, regardez-moi ça. Ça fait même des arcs de cercle ici. Il est juste sublime. Tout ce que j'ai à dire. En plus, je pourrais même lui rajouter des propulseurs à hydrogène ici, si jamais le cœur m'en dit. Bon, je le ferai pas, hein, bien évidemment, mais ce serait une possibilité. Il est vraiment très impressionnant comme vaisseau, ça c'est indéniable. Je suis plutôt heureux. Heureux de m'être fait chier à construire cette espèce de saloperie de 13 tonnes, de 13 000 tonnes, pardon. Parce que ben ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, hein, comme vous voyez. C'est plutôt impressionnant. Même très fort. T'es plutôt bien inspiré sur ce coup-là. Hop! Ok, hop. On y va. Je crois que j'ai des tensions en hangar là, si je me choque pas de conneries. Ça doit être ça. Parfait. Parfait, parfait. Ah, il y a peut-être les propulseurs aussi de celui-là qui ont donné un coup de main. J'ai pas. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'éteindre lui. Bon, c'est pas extrêmement grave, vous me direz. Il en est où lui d'ailleurs? 119 kilos du rat. Ça va, ça devrait aller. 11 kilos par ici. Ok, tout se passe bien jusqu'ici. Hop! Allez go, avance, Micheline. Pourquoi je l'appelle Micheline? J'en ai aucune idée. On va dire qu'à présent, son nom, c'est Micheline. Voilà, c'est tout. Parce que, fuck. Aucune raison que ce soit différent, pas tout. Parfait, parfait, chers amis. Tout ceci est plus que parfait. Le dédale est posé, tout va bien. Et donc, on va commencer à construire la base lunaire. Non, tout serait gentil d'allumer le jetpack, merci. On va commencer à construire la base lunaire, donc disais-je, on va relier tout ça, écoutez, je ne devrais pas être pire que de foutre le projecteur là-bas. Hein. Ah, j'avais pu. Ah bah non, c'est vrai que j'ai tout déposé là-dedans, moi je suis débile. Non, c'est vrai que j'ai tout déposé dans le vaisseau. Ah oui, je suis encore plus débile. Voilà, donc, disais-je. On va déjà copier la couleur. Parce que oui, maintenant que je sais le faire, je vais certainement pour mon privé. Hein. Tenez-vous le pour dit. Voilà. Couleur, copier. Parfait. Maintenant que je sais comment ça se fait, je vais certainement pour mon privé. Ok, donc c'est bon. Toc, toc. Alors, mes FPS restent constants à 30. Cela dit, j'ai des espèces de micro-freeze. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, c'est pas totalement grave, hein. Donc je plante pas toutes les 10 secondes. Hein? On se rappelle notamment de ma fabuleuse expérience. Hein, Ok, donc je peux commencer à construire. A priori, je fais tout de même juste. Bon, t'as fini, oui. Voilà, parfait. Ok, donc ça c'est bon, donc on va laisser le vaisseau de Pietro tranquille, on n'y touche pas, c'est le sien. Hop! Voilà, alors j'aurais pas assez pour tout construire, hein. J'en ai fabuleusement conscience, mais bon, ce sera déjà un début. Bon, faudra pas que je fasse le con que je reste coincé dedans, parce que après je vais être emmerdé pour sortir. Enfin, tout du moins je pense.
Eh bien, re, chers amis, donc voilà, j'ai presque fait le tour. Je quasiment fait tout le tour, hein, comme vous pouvez le voir. Mais il me manque des composants, hein, il me manque des composants, donc c'est pour ça que j'en ai mis pas mal à produire, hein, comme vous l'avez vu durant cet accéléré sympatoche. Donc, on va aller récupérer tout ça. Donc là, pour le coup, ça devrait être pas plus simple de m'arrimer. Hein. Donc ça, c'est sur le conseil de Chapcraft que je l'ai fait. Je tiens à le préciser. Hop. Parfait. Numéro 8. Donc là, ça devrait se charger automatiquement. Il veut bien te... Non? Changer d'angle. Non, non, tu veux pas. Bon, ok. Donc là, si jamais je regarde... Voilà, vous voyez que là... Hop là. Excusez-moi. Voilà, là, tout est aspiré. Tout est aspiré et tout vient dans mon vaisseau. À savoir... à savoir... ici, voilà. Vous voyez que là, ça se remplit. C'est tout bête, hein, mais moi, ça m'évite de le faire. Et donc, bah, je dis pas non, vous pensez bien. Donc, voilà, chers amis, bah écoutez, cet épisode va s'arrêter là. Ça aurait été plutôt sympatoche, j'aurais fait pas mal de trucs. Hein, j'aurais fait atterrir le dédale et tout le merdier. Mais j'ai des micro-lags. Alors ça, par contre, je sais pas d'où ça vient. Mais ça commence très sincèrement à me casser les couilles. Donc si jamais c'est à cause du dédale, parce qu'avant que le dédale soit là, j'avais pas ces lags-là. Si jamais c'est à cause du dédale, je peux vous assurer qu'il va retourner très vite en orbite. Ça va pas traîner. Ok, vas-y. Ça, c'est les 100 dernières que tu me fais. Quant à l'assembleur 1, oh putain la vache, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup quand même. Sensiblement. Oui, j'en ai peut-être fait légèrement beaucoup, putain la vache. Oui. Voilà. Ok, donc, toc, toc. Donc, ça, c'est des échafaudages et des vitres pare-balles. Donc, des vitres pare-balles, on va en faire. Donc, Tac, tac, tac. Donc, attendez. Attendez, j'essaie de faire ça bien. Voilà. Alors, on va faire. Déjà. Assembleur numéro 1, off. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, on va s'en faire. Vitre pare-balles. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, c'est environ 6 fois plus de vitre pare-balles que d'échafaudage. Donc, bah, écoutez, on va faire ça très simple. Voilà. 600 vitres pare-balles pour. 200, c'est un peu beaucoup. Voilà, 600 vitres pare-balles pour 500 échafaudages. Et donc, d'après ce que je sais, ça va se construire tout seul. Hop, voilà. Et donc là, ça va alterner. Voilà. Avec là, ça vient là, et après celui-ci ira là, et patati, et patata. Donc voilà, ça va s'alterner. Donc pour moi, ce sera très bien. Niveau minerai, j'en suis où? Ça va, j'ai l'air de manquer de rien, a priori. Non, 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 4 tonnes de platine, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc voilà, chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'aurais fait pas mal de trucs. Ça aurait été plutôt sympa. Mais surtout, le gros point, c'est que pour le coup, j'aurais ramené le dédale. Ça, je suis très content de l'avoir ramené, celui-là. Mais si jamais c'est lui qui me donne des micro-lags comme ça, il va vite retourner en orbite, ce con, parce que ça commence un peu à me faire chier, hein, on va être sincère. Donc voilà, j'espère, quant à moi, que cet épisode vous aura plu. Je vous dis bah, à très bientôt pour un nouvel épisode. Donc mercredi, dans la logique, il y aura Pietro, et il y aura peut-être même un invité surprise. Je vous en dis pas plus. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Jusqu'ici, portez-vous bien, et à la prochaine!